Eh ben salut tout le monde, c'est SD54, on se retrouve pour la suite de ce let's play d'épisode 14 de Speaking Dog. J'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez vu dans le précédent épisode, on s'est arrêté ici même. J'ai, voilà, comme je vous ai dit, hein, on reprendra directement la suite. Du coup, c'était une visite une introduction importante. C'est parti, allons-y pour la suite de cette aventure sur Speaking Dog, les amis. It's good to see you. Come on in. You sure you don't want to fuck a little before you start? It's no problem at all. I'll just have a swing by your hotel on the way to the studio. Nah, man, I'm good. But we could do a photo shoot or whatever, and look, I'm sure it'd be fun and all, but that's not why I'm here, dude. Ah, you don't know what you're missing. This baby will fuck you in a way your wife never could. Sonny, this is Wei. Wei? The infamous Sonny Wo. That's me. Infamous and notorious. Glad you could come by. Ricky's told me all about you. This is King. What's good? He's producing Vivian Liu's next big hit. Yeah, it's gonna be hot, man. Wei here's the real deal. A bona fide tribe killer from the streets. Cleavers, guns, castrations, whatever you want. Okay. Wei, why don't you take King out on the town and show him around? Yeah, anytime. It's like one big playground, man. Nothing's off limits. You wanna pick up some girls, get nasty, done. And with Wei, no one will bother you. Nobody fucks with Sun on Yi. Yeah, well, I mean, actually, that sounds all right. If you don't mind showing me around. Yeah, sure. I wish I could go with you players, but business calls. All right, cool, man. Yo, it was real nice to meet you, Sonny. It's in the streets. Let's do it. Ricky, listen to this. I've been thinking. We need to get her a movie role of some sort. Et oui, les amis, c'est bien le passage que je vous ai dit. Par contre, je me rappelle avec le rappeur. Mais en tout cas, voilà, c'est bien la mission que je pensais avec les filles. On devra chanter pour aussi. Et puis après, il faudra faire une bonne impression au rappeur. Et du coup, en fait, quand tu vas suivre le but, elle est pas si longue que ça, en fait. Mais en fait, elle est pas si longue que ça, mission là. Mais bon, c'est pas grave, on essaiera de faire au moins deux missions pour cet épisode des années. Tant pis, hein, j'aurais pu faire. Après, si j'aurais fait la mission là, je pense qu'elle aurait duré à peu près dans les 30 minutes, même 40 minutes, la vidéo précédente. Un peu trop long à mon goût. Mais bon, c'est pas grave, on fera deux missions à la place d'une dans cet épisode. Puis, voilà. En tout cas, dans le précédent épisode, les amis, qu'est-ce qu'on a fait? On a été à l'hôpital pour aider l'oncle Po. Alors, je sais pas s'il est toujours vivant, soit il est mort, je sais pas du tout. Mais voilà quoi. Moi je pensais qu'il... Voilà. Je sais pas si on a réussi à le sauver ou quoi que ce soit. Mais bon, on verra ça... On verra ça sûrement un peu plus tard. Ok, ah ouais, c'est ça. C'est bien ça, c'est bien la soirée karaoké. Quand on doit inviter deux personnes et tout, vous allez voir, c'est pas mal. Ah, une petite statuette. Ça par contre, les amis, la petite statuette, c'est pour moi. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger, mais je récupère juste cette statuette qui est là. Merci. Du coup. Ouais, il faut chercher deux gonzesses. Hey there. What's your name? Katushka. I'm Wei. So listen, I saw you looking at my friend and I figured you realized he's a famous American celebrity. And I just wanted to ask if you mind keeping it a secret. Ooh, how can I say no? Well, if you're not doing anything, maybe I can buy you silence with a drink. Wanna join us? That's very nice of you. So you're from Russia? Allez. Yes. Allez, viens, ma petite cocotte. Ah, call it a hunch. T'inquiète pas, tu vas chanter une petite chanson après. Ah, vous te rendez compte quand même, hein. Ils ont quand même la belle vie. Hein. Quand t'as du pognon et tout, tu peux faire tout ce que tu veux. Allez, mets-toi assis, je vais chercher une autre. Allez, pourquoi pas elle? Hello, ladies. Salut. Hey, Mr. VIP. Want to buy us girls a drink? I don't know. My friend and I are gonna enjoy your company. Try us on and see what you get. All right. Why don't you join my friend in there?
I'll be in a second. Ah, okay, du coup, il y aura 3 gonzesses à cause de 2. Ok. Bah, pourquoi pas. I'm Sun on Yi, motherfucker. Now get out of here before I break every bone in your body. Oh man, no, sorry, I didn't know who you were. Guy seemed like he was getting a little pushy. We get that a lot. You work here? Yes. Ah, bon. So, you allowed to join the customers for a drink? Oh, that sounds si j'ai nice. Temps avant d'aller manger, parce que je tourne vers 11h57. Et bon, pour le moment, je pense qu'on va manger sûrement manger dans le coin midi, midi 20. Mais si j'ai le temps de faire encore une autre question, parce que c'est nickel, et puis voilà. Ah oui, il n'y en a que 4. Oula, il y a... Non, ouais, c'est ça, il y a 4 d'onzes. Ok. Bon, allez. On va se mettre assis. Et puis voilà quoi. Damn way. Who knew Hong Kong was full of such beautiful women? Friendly too. How do you not know Hong Kong have beautiful girls? You just had to come to the right place. Well, I expect you girls to make sure King never makes that mistake again. You can count on us, baby. We love American men. Don't we, Tina? All right, way. Why don't you show us what you got? Come on, Wei. Let's see those lungs. Well, I'll show you mine if you show me yours. Allez, c'est parti. Ouais, soirée karaoké, hein, comme je vous ai dit, on va chanter une chanson. Alors par contre, je vais vous faire profiter. Alors, on avait chanté celle-là, ouais, c'est ça. Par contre, j'ai pas celui que je voulais. Tale of Me, il n'y a pas encore. Faudrait que j'essaie de la chercher, mais bon. Du coup, les amis, je vous fais profiter de la chanson, puis on se retrouve juste après. A tout de suite. Ok. Bon. J'ai un peu foiré mon coup, les amis. Hein, j'ai un peu foiré vraiment. Mais bon, c'est dommage. Du coup, ah oui, photo. Alors. Toc. Toc. Voilà, nickel. Ouais, ils s'amusent bien. Hein. Ils s'amusent bien. Ils s'amusent très très bien. Ouais, du coup, j'ai un peu foiré un peu mon coup plusieurs petits passages, mais bon, c'est pas trop grave. Mais normalement, t'as. Je crois qu'il y a un trophée, je crois. Pour... Alors, pour ceux qui veulent le jeu
Et tu veux platiner, il y a un trophée au fait, c'est faire toutes les chansons à 100%, si je dis pas de conneries. Mais ça, je vais pas essayer de platiner quand même non plus. Pourquoi? Oh, j'étais trop loin, mais t'es sérieux? Mais mec, suis-moi, je sais pas, fais un truc. Bon, c'est pas grave. Bim, bim, boum, bam, bam. Et bam, da boum. Toi, tu lâches ton couteau à la queue, là. Voilà. Toi, tu essaies de pas m'attaquer par l'arrière. Bim. Je casse la jambe, moi. Et toi? Non, monsieur, monsieur propre. Bon. Et toi? Viens là, toi. Mais t'es sérieux? Viens. Alors lui, toi t'es mort. Toi tu vas souffrir ton moment. Tiens, prends ça le téléphone, appelle ta mère. Ouais, t'es petit cul, mais voilà. Oh. Allez viens, monte, on se casse. Allez, ok, on va vous ramener King à son hôtel. Alors. But I'm guessing they can move as much product as you can ship. Well, this could be huge, man. These boys got some big ideas too. I'm talking all the legit shit that money goes into. Gotta go somewhere. C'est vraiment sympathique. And the feds back home are really cracking down. Brothers might be looking for a little offshore stash. Yeah. The man who set that up kept it safe. Okay. Yeah, he'd have a whole lot of money. I could swing that for you. I still got contact stateside who could set up the other side of things. Mm-hmm. Oula, oula, fais gaffe. Yo, ah, pas que je détruise tout ça. Nah, look at Sunny Walsh. Nah, man. Come on, that's what's good about it. Everybody's a fucking moron. You come in with muscle and money, and you two can call the shots. You got a point. Là, ça passe, on est à long pause, on va tous se démerder. Hop. Et voilà, mon petit. On est arrivé. Here you go. Thanks, man. I really appreciate it. Really. It's real cool to meet you. We'll see you around. Yeah, for sure. Hopefully, first night of many. Well, then. Looks like this is the beginning of a beautiful friendship. All right, man. Take care. Je pense que c'est la fin de la mission, voilà, c'est ça. J'ai même pas le temps de dire que c'était fini. Ok. Du coup, nouvelle chanson. Ah, nouvelle chanson de karaoké. Ok, ça sera intéressant. Défi rapide. Ouais, vous savez quoi, on va faire la mission défi rapide. Puis la statuette, je la mettrai. Je pense qu'on fera ça peut-être pour la fin de l'épisode ou. Tout ça, je ferai le tour de mon côté, je pense. Tout le temps, c'est toujours pareil, c'est vraiment un entraînement. Par contre, je vous montrerai si on arrive à trouver toutes les statuettes. Pourquoi pas faire les dernières statuettes ensemble. Bon, on verra. Voilà, on verra bien. Si on termine la mission et c'est pas trop loin de l'école, on fera ça ensemble. Et sinon, on va s'occuper déjà de la quête principale. On verra bien pour la statuette. Je crois que j'aurais le temps qu'on récupère 2 ou 3 pour l'emmener. Je sais pas, on verra. Allez, c'est parti. I don't mind you fucking her, it's one of the perks, but she has to understand the consequences if she disappoints me. Are we clear? Of course, Sonny. You're not getting attached, are you? A man of your caliber? You don't need to worry about that. I hope not. Way, come in, have a drink. You ever fuck some famous pussy, Way? Not yet. Maybe one day. It's a trip, man, let me tell you. You drive by one of those billboards the size of a building, and you tell yourself, I'm going to her place, bend her over the table, and and then you do it. There's no other feeling like it. Yeah, okay. Speaking of stars, I need to go pick up Vivian. Let Wade do it. You and I have more business to discuss.
How about it, Wei? Think you can handle a smoking hot dollar for the day? Sure. You know, as long as Ricky doesn't think I'm moving in on his territory. Nah, of course not. Here, take my car. You take good care of my little starlet. Go ahead and fuck her if you want. Just don't damage the goods. Ils sont bien sympas ici. Allez, c'est parti, on va prendre sa bagnole et puis on va aller chercher Vivienne, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est ça, Vivienne. Allez, c'est parti. Je pense que c'est bizarre, je sais pas. La santé n'est pas revenue. Toute la barre de santé, c'est bizarre ça. À comprendre hein, les gars. Hop. Allez, on est arrivé déjà. Who are you? I'm Wei. Ricky sent me. Didn't he tell you? No, I was expecting Ricky. Everything okay? Everything is not okay. Is it wrong of me to want to see my boyfriend? Why do I have to put up with this? No, Vivi, it's not wrong. And you put up with it because Ricky loves you. But... But what? Since your boyfriend isn't driving, I get to sit in front. Why are the bad ones always so good looking? I'm Sandra. What's your name again? It's Wei. Ricky talks about him a lot. Oh, all nice things, I'm sure. And you're here to basically do whatever we want? Something like that. What do you have in mind? Do you have steady hands at high speeds? Yeah, absolutely. I mean, I can provide references if you like. Are you trying to talk him into one of those street races you always go on about? Okay. C'est d'ailleurs une sacrée coquine, elle, ce qui a monté devant avec moi. So what's the deal, Wei? You a gangster like Ricky? He's not a gangster, don't say that. Let's say I'm as much of a gangster as Ricky. Oh, that's too bad. Recently I've wanted to date a gangster. Well, maybe I'll see if I can find one for you. That would be nice. What's Ricky doing anyways? Why is he too busy? I don't know. Something with Sonny. Sonny? That guy's a creep and a perv. Sorry, baby. It's okay. What? What'd he do? Faire une course, je nothing. Sais pas. But he tried. I was at a party on Wallace Chung's yacht. I was ah, like 16. Ah, I got voir, so copain, high. Chi, hein. On va voir. That's him. That's ah him. Non, c'est pour faire une course. Ok. Ok, ok. Hi, Alex. How are you? Huh. This is your new boyfriend? Not yet. Why? Are you jealous? Of this guy? Hey, so Sandra says you like to race. How about it? Now, if you win, I'll let you take the girls home. Wei? I'm not sure how much that's worth. Okay, we race for the girls and 100,000. Sure, I'll take your money too. You racing with the girls in your car? The extra weight will slow you down, idiot. Think of it as your head start, Alex. Because you're gonna need it. Think of it as your head start. Ok, bon bah lui il a l'air pas très sympa. Mais ok, bah pourquoi pas. Bon bah on va faire une course et c'est une quête principale. Du coup quand c'est une quête principale, bah, on le fait, évidemment. Si c'est pas une quête principale, bah, j'espère que ça va pas bugger comme la dernière fois, hein, avec tout petit souci technique. On avait fait une sorte de route, il y avait un petit souci technique en fait, le jeu est bugué et c'était le temps tout seul. C'est pour ça qu'il y avait un épisode qui a longtemps. Parce que genre, et puis vous avez pas vu la fin de vous avez vu la fin de la route, parce que j'ai tourné avant. Où on était, c'est pour ça que j'étais pas premier. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont tout de suite remarqué que j'avais pas fait ma phrase de fin, ça veut dire qu'on avait fait le pub, c'est la vidéo, tout ça. Je pense qu'il y a peut-être des... vous
avez pu sûrement remarquer, mais je pense que j'aurais déjà bougé. Je pense que dans cet épisode, j'aurais déjà expliqué de pouvoir la formation du moins. Allez, c'est parti, let's go. On va, go. On est à 51% de la course. 54 maintenant. Toujours premier. La police qui nous poursuit, ok. C'est-à-dire, si on a la police plus la course, on n'est pas sorti. Hein. Par contre, je me pose la question pourquoi j'avance plus trop vite. Est-ce que c'est une arme ou pas, je sais pas. You are out of control. C'est nickel, nickel les amis. Oh my god, my heart is beating so fast. Great. Steady hands, gotta give you that. Thanks. Oh, get a room, you two. Oh shit, the police. Ok, et après la course, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se bat. Hop, scanou. The police! The police! Are they after us? Oh no! Don't worry, it'll be fine. Wait, wait. Yeah, it'll be fine, don't worry. C'est juste derrière moi. Nice work, Way. Aller à l'appartement. You're driving us home. Of course. Well, unless Sandra has some other exciting plan. Ah, il y avait un gars de la course qui était en fin de partie. But you can take me for a drive and. Ah, bah, juste. Oh, that's it, just over there. Okay. Bah, nickel. That was fun, Way. Thanks. Anytime. Vivi, give Way my number and tell him he can take me out on a second date. Sandra says you can take her on a second date if you want. Yeah, I got that. Thanks. Thanks for taking us out today. It was my pleasure. Bon, bah, je crois que c'est une mission accomplie encore une fois. Et puis aussi, les amis, j'aime bien le gars, il nous prête une voiture. On lui redonne vraiment défoncé. Mais moi, c'est pas mal. C'est rigolo. Mais bon, faut pas lui prêter la bagnole. En tout cas, lui, s'il te redonne avec la voiture défoncée complètement, ça vaut pas trop le coup. Mais bon. Alors, ouh, on a une quête à 103 mètres, c'est quoi? Marche, ouh, malchance. La malchance, ça sera sûrement de... Ah, par contre, ça fait loin hein, quand même, hein, pour apporter la petite statuette. Hein. Ouais, ça fait loin, loin, loin. Du coup, je sais pas... Attendez. On va voir si j'appelle Sandra, si elle répond ou pas. Ah, took you long enough to call. Well, sometimes you have to wait for good things. Waiting isn't my strong point. So, you taking me driving? Yeah, I'll come pick you up. I'd like that. Cool. I'll be there soon. Ciao! Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire, les amis? Est-ce que... Je suis en train de me poser la question, est-ce que vaut mieux qu'on s'arrête ici, puis comme ça je vais faire la petite statuette de mon côté.
C'est en fait que j'ai peur que ça fasse trop long ou même un peu court, je sais pas en fait, c'est ça le problème. Vous savez quoi, on va faire le chemin pour aller. On va faire le chemin un petit peu ensemble. Pour aller juste à l'objectif là-bas, voir les lunettes. Et après, comme ça, on pourra parler un petit peu avant la fin de cet épisode. En tout cas, voilà, on a fait quand même pas trop mal de choses. On a fait le karaoké avec les filles, comme vous avez déjà parlé de 2-3 épisodes en avant. Et je me rappelle juste la mission en fait, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais je me rappelle plus c'était le rappeur. Je pense que c'était avec quelqu'un d'autre. Sinon, après ça, nous avons fait avec les filles la course. Qu'on l'a gagné facilement parce qu'avec la police c'était plus simple. Puis après on nous a accompagnés, puis on a rencontré Sandra avec la copine de Richie. Et puis on a fait quand même pas mal de petites choses bien sympas. Dès qu'on a trouvé une statuette déjà il y a l'épisode précédent, c'était à l'hôpital hein, tout simplement. Ah non, c'est celui du bar ça. Je dis une connerie, c'est celui du bar, c'est celui qu'on a été. Avec les filles, avec le rappeur et tout. Oui, c'est ça. Parce que le truc de l'hôpital, je crois qu'on avait déjà fait. On avait déjà utilisé et tout. Ouais, bah je pense, les amis, on met un petit. Ouais. Même si ça dure 30 minutes en plus de la statuette, je crois qu'on va faire la statuette ensemble. Et puis, je pense qu'on s'arrêtera là après la statuette. Je pense qu'on va la faire ensemble. Ouais. On va faire ça ensemble, comme ça. On fait bien comme il faut tous ensemble et puis voilà. Parce que ma chance, si je dis pas comme vous, je pense que ça va durer un peu plus longtemps la mission et du coup on n'aura pas le temps de la faire en entière. Et je préfère quand même faire en entière quand même une mission quand je commence, je peux peut-être pas la finir aussi dans le même épisode normal. Parce que si je commence faire une partie après que j'enregistre tout de suite et si j'ai pas le temps, bah, c'est un peu le problème. Non, on va faire la statuette et puis après on va s'arrêter là exemple. Comme ça, on va prendre une nouvelle technique. J'espère que c'est pas une technique compliquée parce que disons que ça va pas le faire. Et puis je pense ouais, il va se faire à peu près 5-6 missions. Ouais, je regarde sur internet hein, à peu près où j'en suis et tout pour voir si demain, c'est le mois dimanche, en voyant que je finisse le jeu ou quoi. Bien si je termine demain le 10 comme ça là, dès lundi bah, de lundi 11 le soir quand je reviendrai bah, que je puisse commencer une nouvelle play. C'est là maintenant si je peux m'avancer volontairement dans les vidéos ça serait cool comme ça on est tranquille. Bon la petite photo là, s'il te plaît. Voilà. Hop. Et on va faire ça et puis après on va pouvoir s'arrêter ici pour ce épisode. Il ne manque que 4 à récupérer. Seems as though they're all finding their way back to me. Perhaps that was their destiny from the start. What does that make me? Oh, I've no doubt you'll return. Bon après je pense pas qu'on aura que j'aurai le temps pour faire tous les statuettes hein, comme je vous ai dit. Si j'arrive à le faire pour les statuettes, je le fais. Sinon bah tant pis, c'est pas trop grave. Bon, ça serait bien quand même de le faire tous. Ça serait quand même pas mal de faire tous ces amis. Parce que celui qui est tout au fond de la barre, je vais vous montrer hein, vite fait. What would you like to learn? Voilà, ça veut dire celui-là est obligé d'avoir tous. Le contre-attaque agressif qui, repousse un ennemi en arrière. Tu vois, si tu veux l'avoir, bah, tu es obligé d'avoir tous les points, déjà tout le haut et tout le bas pour avoir le dernier, c'est normal aussi. Hop. Ah ouais, c'est la prise de... Ah, ça c'est pas mal ça. Allez, toi, hop. Mets-toi debout, mon gamin. Debout. Après tu fais comme ça et tu fais après coup point et crac. Allez vas-y tiens coup pied ma gueule. Maintenant je m'enchaîne bim et putain ceinture verte putain la ceinture jaune ou te souffler oui putain ceinture jaune dehors
Et toi, hop là. Passe me voir si tu retrouves une de mes statuettes. T'inquiète pas, je fais ça. Et ben franchement, le bridge-jambe, je le kiffe. Je le kiffe vraiment. Ça c'est cool. École d'art martiaux, toc. Et puis bah voilà. Du coup les amis, moi je vais refaire le chemin tout à l'envers. On va refaire tout le chemin à l'envers qu'on vient de faire. Et puis bah voilà, j'espère que ça vous a plu quand même cet épisode. Je pense que je ferai peut-être après manger ou... Ouais, je sais pas, quand j'aurai un petit peu de temps, bah, je referai la suite de ce let's play, les amis. Alors peut-être, parce que là, le samedi, hein, évidemment, le samedi 9 janvier, du coup, je pense pas que je ferai un autre épisode le samedi. Je pense que l'on fera la suite, sûrement la suite demain, demain le 10, pour essayer de finir rapidement ce jeu, parce que j'aurai un peu plus de temps libre, entre guillemets, plus de temps pour pas tourner à la fin de ce let's play. Pourquoi pas essayer de finir ce jeu demain, mais là, il y aura beaucoup de tournage en fait. Ça va être une charge. Ça va être, j'aurai plus de temps pour faire beaucoup de tournage. Là. C'est ça que je voulais vous dire. Après, je pense pas que lancer un nouveau let's play dimanche aussi, je pense pas. Voilà, voilà. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous a plu ce let's play. En tout cas, ouais, j'ai fait quand même pas mal de choses, bon, j'ai fait un petit tout en plus, parce que voilà, je pensais pas être arrivé aussi vite. Et puis, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu cet épisode. Pour me faire savoir si ça vous a plu, les amis, n'hésitez pas à bombarder des pouces bleus, à partager à vos abonnés. Si c'est pas encore fait, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et même Discord aussi. Vous me suivez maintenant. J'essaierai de mettre ça dans la description si j'oublie pas. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent me suivre sur ma page LesGamer54, ma page Facebook c'est LesGamer54. Hein. Juste marquer LesGamer54. Vous mettez un petit j'aime si vous voulez, comme ça vous aurez plus d'informations aussi sur le programme de la semaine et tout. En parlant du programme de la semaine, je marque tout ça demain, le programme de la semaine qui va arriver. Donc, il n'y aura pas grand chose de prévu, mais voilà, ça sera pas une charge, ça sera pas une semaine chargée comme on a eu cette semaine, la semaine que je tourne la vidéo, que je tourne cet épisode, hein, évidemment, parce que j'ai même 6 vidéos à cause de 2 ou 3, ça change un peu, et puis voilà, les amis, c'est tout, et puis sinon, je vous dis à très vite pour la suite de ce Let's Play Shooting Dog. Et puis on approche vraiment à l'impact de la fin de ce jeu. Allez, passez une bonne journée, une bonne soirée, quand vous regardez cette vidéo, tout ça, et puis je vous dis à très vite pour sûrement vers l'avant-dernier épisode. Je pense qu'on approche vraiment à l'impact et j'ai hâte de revoir la fin parce que je me rappelle plus du tout le combat final. Mais bon bref. En tout cas, je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, bye bye.